Hey, yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation. Petit loupé hein, sur l'épisode d'avant. Oui. Ah oui, non, c'est ça. Ok, ouais. Voyons. J'avais promis. Et voilà, donner une parole. La parole est importante. Donc, on va faire le monastère. Donc, déjà, on va. Hop, acheter les territoires nécessaires. Et on va construire le magnifique petit monastère. Non, grand monastère. Bon, peut-être pas très grand dans un premier temps, parce qu'il faut quand même. Faut quand même les ressources nécessaires. Ah la vache, bah attends, mais je peux rien faire. Ah si, construction libre. Ah, le nombre de bordels de trucs qu'on peut faire, regardez. Des clochers, des machins, des trucs, des bidules, des. Oh là là. Je vais juste assigner mon étal de marché et je vais y revenir. On va mettre du fromage. Alors, oui, déjà les nouveaux arrivants, on va dire oui parce que je vais avoir besoin de moines. Voyons voir. Ici. Sélectionner une fonction. Je suis con. Rien, les mecs. Produit des manuscrits. Ok. Construction. Dortoir des nonnes, dortoir des moines. Je n'en sais rien. Ouais, on va partir sur. Hutte rustique et rustique. Super. Donc, on est amené à reconstruire l'entièreté du monastère, quoi, un jour. Ok. C'est bon à savoir. Allez, on va mettre ici un hall. Deux grands quartiers sur le côté. Comme ça, j'aime mieux. Deux grands quartiers. Une porte rustique surélevée. Voilà. Non, je ne suis pas fan de celle-là. Celle-là, j'aime bien. J'aime bien. Voyons voir. Oui, il faut que je vois aussi. Oh la vache, oui, la dépense en matériaux va être sévère. Une façade rustique. D'accord. Ouais, super la façade. Peut-être faire ça. Hein. Hop, on va retirer ça. On va mettre la façade d'abord. On va mettre une porte ensuite, voilà. L'emplacement des visiteurs, bah juste devant forcément. Une croix en bois, une croix rustique, une statue antique, des pierres tombales, des croix, je peux les mettre, voilà, sur le dessus, ça c'est bien. Les statues, ah bah on peut pas, dommage. Hop, deux petites statues là. Au niveau de l'entrée, deux, trois pierres tombales ici, histoire de dire, t'as vu, il y a genre un cimetière, quoi. Le cimetière aux moines. Voilà, quelques tombes. En déco, on verra plus tard, hein, tout ça, les arches, les machins. On va mettre peut-être d'autres croix, vu qu'apparemment, ça rajoute des bonus. On va mettre partout, voilà, hein, des croix. Et bah, ça a l'air pas mal, hutte. C'est pour. Ouais. Ok. C'est parti. Donc, on construit le tout début de notre abbaye. Le bazar que ça fout. Et puis, en plus, il y a du trajet à faire. Hein. Là, mes constructeurs. C'est pas à côté. Hein. C'est clairement pas à côté. Mais voilà, est-ce que j'ai autre chose à stocker? Non, rien d'important pour l'instant. Rien d'important à stocker.
On se fait quelques petits revenus grâce à taxation. Ah tiens, j'ai plus la. Ah bah j'ai validé la quête apparemment. Là-bas, je crois qu'ils sont. Ah bah non. Je crois qu'ils étaient partis, mais non, ils sont revenus. Bah on va les réenvoyer en mission. Très facile. Tout le monde sauf la personne blessée, faut pas déconner. On accueille les nouveaux arrivants, forcément. Ah, j'ai l'impression que mes ressources en B diminuent encore. Non, c'est bon. Voilà. Bon. On aura fait ça bien quand même, hein. Regardez, on a dû acheter beaucoup de terrain pour faire notre petite abbaye là. Monastère, pardon. Elle a littéralement donné deux coups de marteau. Hein. C'est pas fini, hein. Oh là, le monastère, il est pas terminé. Hein. Oh là, je vous le dis. C'est vraiment pas terminé, je sais pas terminé. Hein. Oh là 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 là. Bon, je vais agrandir ça aussi, je vais faire des... Faire un autre quartier en bois ici. Ah mince, après j'arrive en dehors du territoire. J'avais pas vu. Voilà, on va construire ça. Je vais recruter un peu plus de troupes. Voyons. Profitons-en pour débloquer des choses. Ça je peux pas, je peux pas, je peux pas. Moi je les débloque, mais même si je sais que je peux pas. Ah, quoique j'ai du houblon et une brasserie. Si, si, je peux faire une ferme à houblon. Bah non, j'ai pas la place. Qu'est-ce que tu me veux? Oui. Bah on peut agrandir les... On agrandira ici. Hein. De toute façon, il faut que j'agrandisse par là pour aller choper les ressources dans le coin. Je sais plus ce que j'ai, c'est du... Du fer, ouais, que j'ai chopé le fer qui est là-bas. Donc dans tous les cas, ça me coûte combien l'entretien là? 20? Ah ouais. Bon, c'est parti. On va déboiser tout le coin. J'ai besoin de quoi pour le monastère? Est-ce que j'ai besoin de bois? C'est la bonne question, je crois. Non, pas tant que ça. Ah là, ça augmentera la splendeur du clergé, ils seront contents. Ouais. Ouais, il va falloir attendre que toute cette partie-là, il soit huit. Elle soit jartée. Niveau des stocks de bois, ça va, j'ai une bonne consommation en bois pour l'instant. Je vais refaire un campement de bûcherons ici, là vraiment au milieu. Enfin, on va dire un milieu relatif quoi. Et on va retirer cette forêt. Un nouveau récit peut-être entendu. Exemple de matériaux de construction. Le bois et la pierre, avec eux tout est possible. Le villageois regarde les surplus et s'émerveille de leur potentiel. Serait-ce... Sera-ce? Sera-ce? Oh la faute! Sera-ce une église? Joli, hein? Joli. Un fort, une taverne, ils sont excités en pensant à ce qui pourrait venir ensuite. Eh ben, très bien. Ouais, effectivement, je peux peut-être agrandir un peu la taverne. Tu me diras, la fréquentation, elle est pas au max. Donc j'ai pas vraiment intérêt à agrandir la taverne. J'ai aucun vrai intérêt à agrandir quelque
chose. À part faire plus de planches de bois. Est-ce que ça, on s'en fout? Je suis en train de regarder, mais... Non, non, pas plus intéressant que ça, quoi. Je vais faire une scierie quand même. Bah, je vais la faire là-bas. Ouais, ici. Et je vais y stocker du bois, là. Mais alors, le bois? Non, j'ai pas le droit. Ah, si, le bois. Je vais faire un deuxième entrepôt pour y stocker les planches. De toute façon, dans tous les cas, ici, ces entrepôts, ils serviront. Soyez les bienvenus. J'ai vu un truc. C'est eux qui sont entrés ou... Ou j'ai mal vu? Non, je crois qu'ils sont pas rentrés là. Notre bailli est de retour de mission. Ah voilà, ils sont s'entend un peu mieux avec le clergé, ou moins mal. Ah oui, il y avait un édit que je voulais revoir. On va vérifier ça. On va attendre que lui, il aille chercher des matériaux. Voilà, revoir un édit. Et c'est lequel qu'il faudrait que je revoie? C'est salaire contractuel. Il y en a un que je vais préférer à lui. Voyons voir. Est-ce que aussi, surtout par rapport à ça. Rang clergé. Il y aura des efforts à faire. Hein. Et pourtant, j'en ai des églises. Hein. Voilà. C'est pas bien grave. Je vais vérifier, tiens d'ailleurs. C'est vrai que ça. J'ai pas vérifié depuis un moment si j'ai bien tout qui est pourvu au niveau des postes. Oui. La caserne, on avait dit que c'était bon. Emploi 0 sur 8. Occupant 0 sur 8. Je vais en recruter 8 de plus. Voilà. Campement de bûcheron construit. Ah bah, j'ai plus de. Et j'ai plus d'employés. Ça devrait pas tarder. Hop, ça je le mets de côté. Et je crois que je vais être obligé d'agrandir une église. Oh, nourriture. Ah la baie, ah ouais les baies, ouais. Allez, c'est reparti pour les baies. Cette église, on va l'agrandir. Oui, s'il vous plaît. Ah bah non, bah non. Bah non, on va pas l'agrandir. Cette église peut-être. Église rustique terminée. Quoi? Ok. Réviser un édit. Ok. Et là, entretien des entretien des parties des bâtiments de production diminuées. On va voir ce que ça va donner. Oh non, il prévoit du mauvais temps. Déjà que j'ai pas beaucoup de baies. Ah la vache, je produis pas tant de baies que ça. C'est le fromager qui galère. Ah, je produis beaucoup de lait, mais peu de fromage. Devoir faire plus de fromagerie. Au besoin, j'en fais, il n'y a pas de problème.
Est-ce que je peux vendre du lait juste avant, je vois. Je peux pas vendre de lait. Entrepôt construit, c'était pour des planches, si je me trompe pas. Ça, pareil, il faut que je... Non, les trois trucs là, il faut que je les... Faut que je pourvoie les postes. Trois bâtiments. Ici, ils sont chiants. Je vais démolir la cloche. Le clocher. Et je vais devoir agrandir une grande église là. Hop là, voilà, ça va être une grande église là. On va leur mettre quelques clochers, ils vont être contents. La clergé et tout, ils vont être contents. Là, s'ils viennent me dire... Ah, gna gna gna, Ah bah gna 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 gna. On va leur foutre plein de croix là. Hop, on va pas en louper une seule, une croix, ça a coûté une blinde ça à maintenir, à entretenir, je pense, mais au moins on aura pu m'embêter. Très bien. Comment ça me coûte? Bah heureusement que j'ai de la pierre. C'est parti. Ah oui. 5 employés, donc on va commencer par ça. 3 menuisiers. Un au campement de bûcheron et un à l'entrepôt. Voilà. Sans amener des outils, des épées, ouais. Moi, je vais devoir faire d'autres fromagers. Qu'est-ce que tu me veux? Non. Non, non. Ce n'est pas acceptable, sachant que là, je suis en plein... c'est la fromagerie, là, qui me... Je me suis pas trompé en mettant ferme les tiens. Ah oui, non, fromagerie. Fromager, fromager, on va mettre un fromager ici. C'est cher. Et on va mettre un autre fromager un peu plus bas en ville par là-bas, là. On va déjà voir si avec ça suffit. Où est-ce qu'en est, notre monastère? Voyons. Oh, il a déjà bien. Il est bien avancé, hein, je trouve. Hein. Il est au tiers. Il a presque tous les matériaux. Oh, c'est bien. Marchand requis une audience. Qu'est-ce que tu me fais encore? Du bois? Oui? Oui? Oh, je suis pas assez en stock. Allez, stocker tout le bois, les mecs, là. J'ai besoin de bois. Non, non, on prenait pas. Ah oui, mais c'est parce que j'ai malheureusement ici j'ai ouvert ma scierie juste avant quoi, pile quand j'ouvre ma scierie. Les quêtes doit y avoir un truc en mode ouais c'est pas aléatoire pour moi, il y a quelque chose. Ils se débrouillent quand même. Hein. Ils se débrouillent pour savoir ce que tu vas ne pas produire assez. Il doit y avoir un truc comme ça.
Et de temps en temps, il te fait une fleur. Tu sais pas trop pourquoi. Et tu fais ah. T'as un tombé sur le coin de la tronche. Ça. Et pourquoi, s'il te donne un truc gentil, il va vouloir un truc méchant. Non, un truc gentil, 10 trucs méchants. Hop. Le ratio dégueulasse. Allez, on coupe du bois, les mecs. Mais plus vite que ça, j'ai du bois avant d'aller avec. Et déjà qu'on s'entend mal avec eux, si on leur donne pas du bois, ça va être compliqué. Là, c'est l'occasion de bien se faire voir. Et gagner un peu de sous aussi, mais bon, ça, on s'en fout. Surtout bien se faire voir. Et comment ma consommation de bois? Elle est inexistante. Enfin, elle est pas inexistante, mais elle est faible. J'ai 310 de bois et j'en ai que 176 dans les stocks. Rangez-le, le bois, quoi. Alors ça, genre là, ça veut dire que ça, là. Non, pas ça. Lui, il est plein, quoi, presque. Non, il est vide, hein, super. 196. Oh, c'est méchant. Allez, laissez-moi passer la barre des. Il est où, 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 il est là. Hein. 19, allez. On y croit, on y croit. 8 jours. Déjà la moitié qui est passée. Hein. Allez, va récupérer 4 bois, s'il te plaît. Juste 4. Après, c'est bon. Je t'embête plus. Je te promets, après, je t'embête plus. Yes, merci. Hop, allez, on réactive. On se fait un peu mieux voir du clergé. Moins 65, ça baisse toujours par contre. Le rang clergé est nécessaire pour débloquer. Oui, on s'en fout. Et comment on en gagne? Splendeur 2. Oui, bon, j'ai pas mal de trucs qui vont m'augmenter la splendeur. Oh, ok, moi. Ouais. Tout ce qui est en. Tout ce qui est création de splendeur et en cours de fabrication. Donc bon, c'est normal. C'est vrai qu'il va faire moche. Yes. Yes, yes. Ça va être la dèche en bouffe, hein. Ouais, j'ai même l'impression que ça va être la dèche en bouffe. On va changer les routes commerciales. Combien je peux en stocker? Je peux pas voir combien je peux en stocker max. Ah, c'est dommage. On va passer à 200 et on va passer à 200 pareil en poisson. Et en pain. Bon, j'aurais dû le faire avant, je vous le concède largement. Et ça, c'est bon. L'église qui a bien grandi. Bon, eux, ils ont décidé de construire là, juste là, ils vont pas être déçus. Ah non, si, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ici, est-ce que ça coupe du bois? Oui, ça en coupe un peu, on peut voir. Ça commence à faire un petit trou. Matière première manquante. Le boucher. Ouais. C'est quoi? Je vais acheter ce terrain ou ce terrain. Je vais acheter ce terrain-là. Et je vais en faire une zone de chasse. Je vais faire quelques huttes de pêcheurs, de chasseurs. Une là. Oui. Je vais en faire une deuxième. C'était où? C'était là. Et une autre ici, voilà. Ah oui! Je voulais. Hop! On va y affecter deux autres soldats supplémentaires.
Je voulais, j'ai quelques lances. Voilà, oui, bon, déjà. On va donner des lances et on va donner des épées aux nouveaux arrivants. Bon, alors on a 20 soldats. Allez, on va faire des réparations là-bas. On va envoyer ceux qui sont formés entièrement pour commencer. Chance très élevée. Hop là. Au niveau du lait, malgré notre nouvelle fromagerie, ça a l'air... Ah non, elle n'est pas encore terminée, la fromagerie. La taille de l'église, par contre. Là, qu'on vient de pas me dire... Oui, mais gna gna gna, non, 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 il n'y a pas de gna gna gna, là. Il y a de la place pour... beaucoup, ici. Je sais pas pour combien va y avoir de la place. 135, voilà. Plus... les deux tiers du village peuvent aller dans la même église, hein, quand même. Je veux dire, elle est badass. Donc venez pas me dire oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais. Alors, ok. Ok. Ah oui, tiens, d'ailleurs, le bailli, qu'est-ce que tu fais, toi, le bailli? Est-ce que t'as une mission en cours? T'as rien en cours. Bah, tu vas courtiser le clergé. Voilà. Il y a de l'or à dépenser. Bonjour, cher clergé. Oula. Pardon. Bonjour. Bonjour, cher clergé. Je viens vous courtiser, voici mon argent. Grosso modo, c'est ça. Ça marche avec le tiers-état, ça marche avec la noblesse. Ça marche avec tout le monde, c'est quand même la méthode miracle. Hein. Là, c'est construit à 50%, ouais. Bon, je peux quand même encore... Enfin, je peux quand même déjà accueillir des moines. Non. Des fidèles. C'est ça, des fidèles. Oui. Je peux quand même déjà accueillir des fidèles. C'est... Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ça fera l'affaire. Là, je me rends compte que mine de rien, la forêt qui était là, elle a bien disparu. Hein. Elle n'a pas disparu, mais elle a bien reculé. Voilà. De toute façon, il y a des endroits où je vais garder les forêts, il y a des endroits où je vais les retirer. Bonjour, viens là. Bienvenue. C'était rapide. Et comment avance notre petit monastère là-bas? Oh, il commence à avoir de la goule. Hein. Il est terminé aux deux tiers. Il manque. Sérieusement, il lui manque un outil, quoi. Faites un effort, les mecs, je sais pas. Un minimum d'effort, il manque un outil. Qui c'est qui se barre là-bas? Ah, le marchand. Un outil! Oh, ça commence à être la déchambée. La production est moins bonne. Vivement les beaux jours, hein. Par contre, en pain, c'est bien, c'est qu'on remonte
Depuis que j'ai mis la limite de vente à 200, on a nos stocks qui augmentent bien. C'est pratique. Là, c'est pas mal. Là, faudrait que je passe par là. Ou par là. Parce qu'il y a de la baie. Oh, attends. Il y a de la baie ici et il y a de la baie ici. Mais ce que ça veut dire. Qu'on va agrandir comme ça. On n'aurait pas d'autre endroit. Là, je vais regarder, je vais prospecter là. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ni pierre ni baie. Là-bas, il y en a. Puis bon, bah ici, du quartz. Parce que s'il n'y a pas de quartz, je vais être obligé d'en acheter. Ça va limiter ma production de fou. Je dois acheter. Quantité de marchandises vendues à cette route commerciale ce mois-ci. Les seuils atteints pour améliorer la route. Mais ça veut dire qu'il faut que j'en achète aussi. C'est moins cool. Qu'est-ce qu'il y en a qui en veulent de la cire? J'en sais rien, moi. Quelqu'un veut de la cire, quelqu'un veut s'épiler, j'en sais rien. Moi. Là, pareil, qu'est-ce que je peux acheter auprès d'eux? Ah, je peux acheter du vin. Je peux acheter du fer. Qu'est-ce que je leur vends du poisson? Ah oui. Le poisson. On va voir, on va voir. Faudrait que je leur achète du fer, tu sais quoi. Un lieu de stockage de fer ici, je vais leur en acheter, ils seront contents. Je vais en stocker 100. Ressources, fer. Ici, acheter jusqu'à. Voilà. Jusqu'à 100. Lui, il a intérêt à être content, lui. C'est pas lui? Si. C'est lui. Là, normalement, j'aurai une mission pour agrandir ma route commerciale. J'ai acheté ce qu'il fallait, j'ai vendu ce qu'il fallait. Ici. Enfin. Là, il veut améliorer la route, c'est ça? Oh non! Mais je veux améliorer la route commerciale, moi! C'est dégueulasse. Trois mois, la quête d'amélioration? Capacité commerciale par élément, plus 25. Oui. Tiens. Non, c'est bon. Ça va l'idée. Prends tes pierres, là. Hop, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on peut lui acheter à lui? Genre, un foot de l'or, du poisson et tout. Genre, un foot. Des épées. À la rigueur, pourquoi pas. Écoute, ils seront contents. Je crois que mon stock d'épées, il est là. Hein. C'est ça. On va améliorer les épées. Hein. Écoute, on va leur acheter des épées. Ici. Ah, faire ça maintenant, trop bien. Bon, hop, acheter. Me ruiner ça. Et on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Bah, j'espère qu'il vous aura plu. Le monastère sera, je pense, terminé pour l'épisode prochain. Oui, il reste pas grand-chose.
Moi, en attendant, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode ou pour d'autres contenus plutôt. Merci d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.